aussi important à mon vue de défensif, c'est le lieu de ton spectacle. Le plus important parce que le lieu, par sa forme et forme, et par sa matière. Et là, c'est ce qui est formidable dans cet espace-là, c'est là où la magie entre, c'est que non seulement il est infini par la forme, non seulement infini par la matière, mais si vous semez sur l'espace scénique, ça pousse. C'est fertile en même temps. Donc c'est pour moi le lieu vraiment d'excellence pour la création. Et en 1768, en Angleterre, avec Philippe Astley, c'est ça? Oui, importé en France, en 1774, modèle du temple. Quelles sont les caractéristiques du temple que vous le défendez? La longueur de la chambrière. C'est la chambrière. C'est le fouet que l'écuyer tient au centre de la piste. Qui fait cliquer, là, pour le temps. Oui, et qui donne des indications de combien. On va faire toujours à donner des indications aux chevaux, par exemple, pour régler les trois allures, le pas, le trot et le galop. La chambrière a défini par Astley la dimension de la piste. La chambrière, c'est le rayon du cercle. Donc, ça fait combien ? 50, donc ça fait 13 mètres de diamètre. 13 mètres de diamètre. La vraie piste du vrai cirque. Et alors, ce qui est formidable, c'est que nous allons avoir ces côtés au bas de nez à Orange. Dans le théâtre antique d'Orange, quand j'ai été visiter le théâtre antique, l'orchestre du théâtre antique est exactement à la même dimension que la piste. Le théâtre antique a été construit 2000 ans avant. Ah oui, c'est du destin, c'est ce qu'on appelle des coïncidences historiques. Hein. C'est pas une coïncidence. Ah bon, pourquoi ? Non, parce que c'est une dimension qui est une dimension absolument incroyable. Et la preuve, c'est que déjà à l'époque des Romains, on se servait de ce cercle-là pour y faire mettre même chose. Dimension quasiment cosmique. C'est un ballet du compositeur Henri Songuet. Vous m'avez demandé de l'écouter. Il y a beaucoup de musique que vous avez choisie, qu'on va égrener jusqu'à 14h. C'est une musique que vous avez utilisée sur la piste, ça là ? Oui, en 1974. C'est au début, alors, exactement. Oui. Tout au début. Parce que là, on fête les 40 ans de votre cirque aujourd'hui. Absolument, les 40 ans de ma rencontre avec Sylvain Montfort. Oui. Et c'est les 160 ans de la naissance de la famille Gros. Alors le cirque... Les 240 ans d'Astley, donc tout y est. Oui, c'est une belle année pour vous. Oui, oui. Le cirque Alexis Grus présente son spectacle Tintra tout l'hiver à Paris, Porte de Passy. Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on y voit finalement? Que des chevaux qui tournent sur cette piste de 13 mètres? Les 40 ans, c'est 4 décennies. Alors ce spectacle est en scène par Stéphane Grus, mon fils. La mise en scène, la chorégraphie, c'est Sandrine Guiard, qui est une chorégraphe absolument extraordinaire. Il y a un orchestre fabuleux dirigé par Sylvain Rollin, une vraie formation de 12 voire 14 musiciens à certains moments, même plus, quand la famille se joint tout ça. Et puis, il y a une mise en scène avec des images, en plus, qui revient un petit peu sur l'histoire au bout de ces 40 ans. Et la première image du spectacle, c'est les années 70. La rencontre avec Philippe Montfort dans la cour de l'hôtel Salé, qui est aujourd'hui le musée Picasso, et la création de la première école de cirque en France qui a ouvert ses portes le 15 octobre 1974 dans le foyer de la Gaîté Lyrique. Donc j'ai bien choisi la musique. Là, je l'ai mis un peu au hasard. J'ai commencé ça. Par Célèbre de Hasard. Oui, donc c'est la première. Oui, là aussi, c'est le destin. Oui, non, c'est parce que c'est logique. Donc le forain, le Songuet, c'est merveilleux. C'est très belle musique. Ouais. C'est absolument sublime. 18 artistes sont sur scène, dont 10 qui portent le nom de Grus. Il faut dire qu'on est chez vous dans le cirque, de père en fils. Le vôtre de papa Alexis s'appelait Dédé, et il a toujours été au cirque. Ah, mais depuis toujours, je suis né au cirque. C'est un peu comme ça, c'est le cirque. Ah oui, mes arrières, mon grand-père, tout ça. Ah oui, oui. C'est héréditaire, oui, je crois. Quand on est là-dedans, il y a tellement de monde. On ne veut pas aller ailleurs. Musicien comme Blanc, c'est impensable pour vous comme pour lui d'aller ailleurs et faire autre chose, du coup le cirque. Quand vous avez eu cette chance extraordinaire d'être enfant, porté par votre père dès votre plus jeune âge, sur les chevaux, avec cette ambiance qui a la présence de 60 ans,